Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cet e-forum, ce webinaire consacré donc aux aides à la transformation numérique des entreprises. Mon nom est Renaud Delay, je suis expert senior et chef de projet à l'Agence du numérique spécialisée en transformation numérique des entreprises, ça tombe bien. Et mon collègue ici, Stéphane, va se présenter. Merci à vous d'être en ligne aujourd'hui. Effectivement, j'ai le plaisir de partager le plateau avec Renaud. Mon nom est Stéphane Ernst, je fais partie de l'AWEX, donc de l'agence d'exportation et d'investissement wallon. Ma fonction est essentiellement une fonction sectorielle. C'est un nouveau pôle qui a été construit à l'AWEX il y a quelques mois. L'objectif, c'est de se concentrer sur une compréhension sectorielle des secteurs wallons et de les positionner encore mieux à l'international. J'ai le plaisir de partager la responsabilité du secteur du numérique avec un de mes collègues qui a une responsabilité plus de business manager, business development manager. Quant à moi, je suis donc l'expert de service et ce sera un plaisir de partager cette discussion avec toi, Renaud. Un plaisir partagé, Stéphane. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Voilà, un bref petit mot d'introduction sur le plan de notre exposé que nous voulons le moins ex-cathédra et le moins magistral possible. Donc, pour ce faire, n'hésitez pas, vous avez un chat, utilisez-le, posez-nous les questions, nous avons accès aux questions que vous poserez et nous ferons des breaks par intermittence de telle manière à pouvoir y répondre de la manière, j'espère, la plus claire possible. Sur le plan de l'exposé, j'entamerai les hostilités en rappelant très brièvement, rassurez-vous, ce qu'on entend par transformation numérique. Puis je ferai un focus sur les différents chèques entreprises qui ont une dimension numérique et qui peuvent vous aider en tant que bénéficiaire à réussir votre transformation numérique. Vous voyez qu'il y en a un panel. Je ferai aussi un bref passage sur les autres aides au numérique qui ne sont pas des chèques entreprises, mais qui sont là aussi pour favoriser votre transformation numérique. Je toucherai brièvement un petit mot sur les nouvelles aides qui vont être mises en place courant 2022 et dans le cadre d'une d'entre elles déjà le 1er janvier. Et puis je passerai la parole avec plaisir à Stéphane qui vous présentera le soutien à l'exportation en matière numérique que l'AWEX vous offre. Voilà. Menu relativement chargé, mais rassurez-vous, nous allons être les plus concrets possibles. Donc, c'est quoi la transformation numérique? Bref rappel, bien sûr, c'est l'utilisation des technologies numériques. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose, mais en fait, c'est potentiellement à tous les niveaux de fonctionnement d'une entreprise que vous pouvez être confronté à une opportunité de transformation numérique. Je dis une opportunité, ce n'est pas une obligation, hein, mais potentiellement c'est à tous les niveaux. Dans le cadre d'une stratégie globale, on n'adopte pas le numérique parce que c'est bien, parce que le voisin l'a fait ou parce que c'est fun, on adopte le numérique parce qu'on veut le rentabiliser, on veut rentabiliser et accroître son activité. Pour rester bien sûr en phase avec l'évolution de la société, je ne vous apprendrai pas, et la crise sanitaire le démontre encore, que les habitudes de consommation des consommateurs, mais des entreprises aussi, les habitudes d'achat, sont de plus en plus en ligne. Et donc, il est important de rester en phase avec ces évolutions de marché. Et bien sûr, pour rendre, je le disais, votre activité plus compétitive en matière de performance pure, hein, que ce soit en améliorant le process ou par l'innovation, pour être plus agile, plus réactif aux changements de marché, aux changements technologiques, pour être plus durable aussi, pour être mieux intégré à ces écosystèmes et pour avoir une gestion et un fonctionnement qui est plus orienté client. Alors, grosso modo, vous allez me dire, tout ça, ça veut dire que potentiellement, tous mes process, toute ma manière de fonctionner est sujette à la transformation numérique. C'est en effet le cas. Et pour simplifier les choses, on définit ce fonctionnement selon quatre axes. Donc, il y a bien sûr tout ce qui concerne la digitalisation de votre infrastructure informatique, hein, ce qu'on appelle l'infrastructure IT. Il y a l'axe qui concerne la numérisation de l'organisation du travail au sein d'une entreprise. Il y a un troisième axe qui est consacré à la numérisation des flux d'informations et des process. Là, c'est un objectif vraiment de rentabilité, d'efficacité et d'automatisation. Et last but not least, très très important, l'axe 4, c'est la digitalisation de votre relation avec votre clientèle.
alors que ce soit en termes de vente, de services après-vente, de marketing, etc. Je ne vais pas, évidemment, vous citer toutes les technologies numériques qui sont potentiellement concernées par ces quatre axes. Hein. Vous avez un slide ici, rassurez-vous, vous recevrez la présentation complète à la fin de notre exposé. Mais vous voyez que ça recouvre effectivement un nombre de technologies extrêmement important, hein, qui va du hardware jusqu'à l'utilisation des réseaux sociaux, des logiciels d'aide à l'achat en ligne, etc. Alors, il y a évidemment aussi toute une série de technologies transversales qui sont en train, plus que d'émerger maintenant, et qui se répandent à travers le tissu économique wallon comme international, qui sont des technologies qui renforcent l'efficacité des autres technologies numériques. On va citer l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, tout ce qui concerne la réalité virtuelle ou augmentée, les simulations numériques, etc. Et une large gamme de services qui leur sont associés. Tout ça pour vous dire quoi ? Que l'idéal, c'est évidemment de parvenir à intégrer le fonctionnement de ces différentes technologies numériques entre elles, d'où l'importance, lorsque vous vous transformez numériquement, de standardiser et de fonder votre gestion sur l'utilisation de la donnée, parce que c'est la donnée qui est première pour la mise en œuvre de toutes ces technologies. Voilà. Pour vous donner un bref aperçu, et j'en termine sur ce chapitre avec ce slide, vous donner un bref aperçu de la maturité numérique des entreprises wallonnes. Donc ici, je parle de toutes les entreprises confondues, depuis les indépendants jusqu'aux plus grandes. On se rend compte que, ne considérez pas ça comme un pourcentage. Il faut considérer que le maximum potentiellement atteignable par une entreprise en maturité numérique, c'est de l'ordre de 80. Vous voyez qu'au niveau des infrastructures, nous sommes actuellement, ce sont des chiffres qui datent de 2020, hein, à 38, que l'axe gestion des ressources humaines a désormais atteint un score assez satisfaisant, et même très satisfaisant, de 45. Par contre, au niveau de la digitalisation des process, on n'est qu'à 21. Et problème majeur, parce que, ben, on le sait, si on n'est pas présent en ligne, si on n'a pas un service numérique valable en ligne, ben, on ne vendra pas. Hein. Ça va de « je ne suis pas présent sur Internet, donc je n'existe pas » à « mon client veut m'envoyer un email et je n'y réponds pas dans les 72 heures. Malheureusement, là, le score des entreprises wallonnes est très faible, puisqu'il n'est que de 14, et donc c'est quelque chose qui reste à améliorer. Venons-en maintenant aux aides financières. Alors, je vous l'avais dit, il existe différents types de chèques numériques. Le premier d'entre eux, c'est évidemment, le nom le dit, le chèque maturité numérique, qui a été défini dans sa finalité de manière extrêmement générique, délibérément, hein, pour pouvoir couvrir en fait l'ensemble des transformations numériques apportées des entreprises et des PME wallonnes. Donc c'est simplement accroître votre maturité numérique dans un but de compétitivité et de pérennisation de votre activité. Les prestations éligibles sont, et c'est très important de le souligner ici, des prestations de consultance. C'est-à-dire que vous pourrez avoir une intervention régionale sur des prestations d'audit, c'est-à-dire une analyse de votre maturité et de vos besoins numériques, jusqu'à la réalisation d'un plan d'action, et sur toute la partie de l'accompagnement, donc support à la mise en œuvre du plan d'action, y compris les tests, les réunions, les déplacements, le contrôle, le suivi, les formations parfois aussi. Mais attention, pas le temps de développement. Donc imaginez, vous voulez un site web de commerce en ligne, tout est éligible sauf le temps que votre prestataire passera à développer ou l'achat de licence, si vous choisissez une solution clé en main. Les plafonds et le taux d'intervention. Donc ici, quand je parle de plafond, et ce sera vrai pour tous les chèques, donc on va pouvoir aller plus vite après, pour tous les chèques, lorsque je parle de plafond, c'est le montant du subside. Donc c'est ce que vous verse la région. OK ? Et le taux de subsidiation, c'est la partie qui est prise en charge par les autorités régionales. Donc ici, pour le chèque maturité numérique, c'est un taux de prise en charge de 75%, ça veut dire qu'en tant que bénéficiaire, vous n'avez plus que 25% des honoraires du prestataire à couvrir, et le plafond d'intervention est fixé à 60 000 euros sur un maximum de 3 ans.
Donc, vous voyez, vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec ça. Il existe cependant quelques secteurs exclus. Alors, les secteurs exclus, ce sont les secteurs appelés de minimis, qui sont en fait les secteurs qui sont déjà subventionnés au niveau européen. Donc, vous avez l'agriculture, la sylviculture, la pêche et les chantiers navals, c'est à peu près tout. Et évidemment, les entreprises qui sont elles-mêmes du secteur informatique. Donc, qui sont soit des boîtes de développement, soit des boîtes de conseil informatique, et qui appartiennent donc à ces différents secteurs, ce sont des codenassés, ne sont pas éligibles au chèque maturité numérique. Sur un modèle finalement relativement similaire, vous avez aussi le chèque cybersécurité. Je ne vous ferai pas un dessin, bien sûr. Le but du chèque cybersécurité est évidemment, et on sait qu'on en a extrêmement besoin, en particulier au niveau des PME et des indépendants, d'accroître le niveau de sécurité informatique de nos entreprises ici en Wallonie. Mais aussi de soutenir la diffusion d'un label cybersécurité wallon, qui est le dispositif KISS, pour Keep It Secure, qui a été lancé maintenant en décembre 2018 et qui vous permet d'avoir une sorte de label, d'attestation, comme quoi vous êtes effectivement cybersécurité compliant. Les prestations éligibles sont de nouveau comme... pour le chèque maturité numérique, toutes les prestations de conseil et d'accompagnement, audit, analyse de risque, définition de la politique de cyber, jusqu'au cahier des charges, à la mise en œuvre et à la labellisation qui est prise en charge aussi. À nouveau, exactement le même taux d'intervention, 75%, et plafond maximum de 60 000 euros sur 3 ans. Les secteurs exclus sont exactement les mêmes que pour le chèque maturité numérique. Encore que ça, c'est en discussion, parce que c'est vrai que certaines boîtes informatiques ne sont pas spécialisées en cybersécurité. Et même si vous êtes du secteur, ça pourrait changer. Vous pourriez être éligible au chèque cybersécurité en 2022. Un autre chèque qui a une dimension numérique... peut-être un peu moins, mais qui peut être extrêmement utile, en particulier pour les start-up et pour les entreprises qui sont encore jeunes, c'est de favoriser l'accès de nos entreprises et de nos indépendants aux centres de coworking qui sont installés sur le territoire wallon. Et là, il s'agit tout simplement de la prise en charge de l'inscription et de l'abonnement aux espaces de coworking qui sont membres du réseau CoWallonia. Vous avez sur notre site digitalwallonia.be la liste de ces centres. Il y en a dans toutes les provinces, dans toutes les régions, y compris des centres ruraux. Les prestataires, je l'ai dit, c'est le réseau CoWallonia et taux d'intervention de 80% ici, pas 75%, mais 80%, réservé, comme je l'ai dit, aux porteurs de projets et aux starters. Pour votre information, un starter, c'est une entreprise qui est inscrite depuis moins de 3 ans à la Banque Carrefour des entreprises. Plafond d'intervention maximum 5 000 euros sur 3 ans. Il y a un bémol. Pour les 3 types de chèques que je viens de présenter, vous êtes limité pour une raison qui m'échappe et contre laquelle, je vais dire, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour qu'elle saute. Actuellement, vous êtes limité à 80 000 euros. Maximum pour les 3 types de chèques, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Et donc, il est fort probable aussi que cette limitation sautera dans un avenir très proche. En tout cas, c'est dans les cartons. Mais vous pouvez faire appel en matière numérique à d'autres types de chèques. Il y a aussi ce qu'on appelle les chèques croissance et développement. Alors là, c'est un grand, c'est une grande catégorie qui va regrouper, par exemple, toutes les méthodes et pratiques qui visent à améliorer les performances de l'entreprise à tous les niveaux, que ce soit en termes de croissance, d'excellence opérationnelle, de marketing en ligne, etc. Donc, vous allez avoir ici essentiellement 2 types de missions croissance et développement qui seront couvertes dans le cadre de projets numériques, c'est d'abord l'analyse et l'accompagnement au changement de votre manière de fonctionner, de vos process, de votre organisation du travail, etc., ce qu'on appelle excellence opérationnelle ou encore lean, et alors d'autre part, tout ce qui concerne, rappelez-vous, l'axe 4 relations clients, tout ce qui va concerner la mise en ligne de sites vitrines, de sites simplement
de marketing, la mise en œuvre de l'e-marketing à travers des campagnes publicitaires, des séquences vidéo, etc. Ici, de nouveau, ne sont couverts que les prestations de consultance, audit et accompagnement, sur le même modèle que précédemment, avec un taux d'intervention qui est seulement de 50%, mais votre plafond est divisé en 25 000 euros sur 3 ans pour les prestations d'audit, 90 000 euros sur 3 ans pour les prestations d'accompagnement et de formation, sachant qu'un plafond global existe à 90 000 euros pour l'ensemble, toujours sur 3 ans. Mais c'est important de constater ici que la formation, hein, par exemple à l'excellence opérationnelle, est prise en considération dans ces chèques croissance. Secteur exclu ici, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pour ainsi dire pas, sauf les fameux secteurs subventionnés par l'Europe. Il existe aussi les chèques technologiques. Comme leur nom l'indique, ben là, ce sont des chèques qui sont plus orientés sur le R&D, l'innovation, hein, et ils concernent la mise en place, la mise au point de prototypes innovants, en ce compris numérique. Ce n'est pas limité au numérique, mais il y a une dimension qui est numérique qui peut être prise en considération. Il est évidemment très rare maintenant qu'un nouveau produit, qu'un nouveau service ne fasse pas appel, au moins en partie, à la mise en œuvre de technologies numériques avant sa mise sur le marché, bien sûr. Les prestations éligibles sont l'audit, l'accompagnement, mais aussi le développement, la mise en œuvre du prototype hors commercialisation. Le point d'attention, c'est que pour pouvoir bénéficier de ce chèque, il est obligatoire de faire appel à un centre de recherche agréé. Donc il y a toute une liste de centres de recherche agréés qui sont spécialisés de manière sectorielle ou technologique, et il est obligatoire de faire appel au moins à l'un d'entre eux pour bénéficier du chèque. 75% de prise en charge, 45 000 euros sur 3 ans de plafond d'intervention. Les secteurs exclus sont toujours les secteurs de minimis et certains types de PME. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bel et bon, mais comment je fais pour bénéficier des chèques ? Ben c'est très simple. Tant que vous avez un numéro BCE, il vous suffit d'aller sur la plateforme chèque-entreprise, que ce soit au pluriel ou au singulier, .be, vous accédez à l'onglet « M'inscrire », vous rentrez votre numéro BCE et automatiquement, toutes vos données sont rapatriées par la plateforme. Tout ce que vous avez à faire, c'est à les valider. Et vous les validez comment ? Vous les validez avec un lecteur de carte, la carte d'identité du responsable de l'entreprise, celui qui détient la signature. Ça prend 1 minute 30 et vous êtes inscrit. On vous ouvre en fait un portefeuille électronique de subsides qui recouvre non seulement les chèques que j'ai cités ici, mais aussi une kyrielle d'autres, hein, il y en a vraiment beaucoup, et vous pouvez directement faire votre demande de chèque. Pour ce faire, cependant, il est nécessaire de faire appel à un prestataire labellisé. Donc vous allez avoir pour chaque type de chèque une liste de prestataires qui sont labellisés par la région, qui garantissent en fait la qualité de leurs prestations. Et vous devez obligatoirement faire appel à un de ces prestataires. Alors bien sûr, si vous avez un prestataire en tête qui n'est pas encore inscrit, ben, encouragez-le le plus vite possible à s'inscrire. La procédure est un peu plus longue pour eux, ça prend quand même un mois et demi facilement. Donc, si vous avez un prestataire en tête qui n'est pas labellisé, encouragez-le à le faire rapidement. La bonne nouvelle, c'est que soit le prestataire, soit de vous-même en tant que bénéficiaire, ben, vous pouvez introduire votre demande full online. C'est plus les dossiers papier, pour ceux qui les ont encore connus avant 2017, ça n'existe plus. Maintenant, ça prend 10 minutes pour introduire une demande de chèque, c'est extrêmement light. Et le petit bémol, c'est que vous avez, dès que la demande de chèque est acceptée par l'administration, et pour ça, elle n'a que 5 jours ouvrables, si elle ne vous répond pas, c'est automatiquement acceptation. Là, vous avez 30 jours, vous, en tant que bénéficiaire, pour verser votre quote-part. Et votre quote-part, vous ne la versez pas à votre prestataire, vous ne la versez pas à l'administration, vous la versez à Sodexo. Pourquoi Sodexo ? Ben, tout simplement parce qu'une entreprise privée est capable d'effectuer des paiements beaucoup plus rapidement et avec moins de contraintes administratives
que justement l'administration elle-même. Et donc vous êtes garanti par l'utilisation de cette société externe que le paiement des prestations finales se fera en déant les 15 jours qui suivront la fin de la mission. Pour rappel, dans le système précédent, j'ai connu parfois des délais de 4 mois, 6 mois. Bon, ici, 15 jours. Voilà. Peut-être, puisque bien tu sûr, parlais des prestataires, on a justement une question qui est assez intéressante. Voilà. Et c'est tout simplement, à quel moment un prestataire peut devenir éligible ? Donc, tu as partiellement répondu. Est-ce que peut-être aller un peu plus dans le détail ? Tout à fait. J'y viens. Donc, pour devenir soi-même prestataire, bon voilà, j'avais le... donc, ça passe par le même site. Hein, donc, vous avez aussi un onglet « Devenir prestataire sur donc, www.chèqueentreprise.be. C'est une labellisation qui se passe sur dossier en ligne. Donc, on va vous demander un curriculum vitae. 3 cours descriptifs de projets qui démontrent que vous avez les compétences nécessaires pour devenir prestataire pour ce type de chèque. Alors ça peut être maturité numérique, croissance et développement dans un domaine en particulier, par exemple marketing en ligne. Hein, donc on vous demandera 3 demi-pages qui démontrent ça. Et puis ensuite, ben voilà, des informations de base comme le numéro BCE de la société qui facturera. Ça peut être vous si vous êtes un indépendant, bien sûr. Hein, mais donc vous allez faire labelliser en fait une entreprise ou plusieurs entreprises même qui pourront facturer. Et là, le numéro BCE suffit. Et puis vous allez labelliser des personnes. Donc la personne qui veut se faire labelliser, c'est à titre vraiment individuel. Si elle quitte la société, la labellisation part en même temps qu'elle. Donc c'est attaché à une personne. Par contre, les sociétés qui sont répertoriées peuvent toutes facturer au nom d'un prestataire personne physique. Voilà. Il vous est demandé, bien sûr, d'adhérer également à une charte déontologique. Ça, cela va de soi. Alors c'est parfaitement gratuit. Mais néanmoins, on n'est pas labellisé chèque entreprise une fois pour toutes. On est labellisé chèque entreprise, comme je l'ai dit, pour un ou plusieurs types de chèques. Hein, on peut avoir plusieurs types de compétences en particulier, mais pour une durée de 3 ans aussi. Il faudra renouveler sa labellisation au bout de 3 ans. Bien sûr, le prestataire prend l'entière responsabilité des compétences qu'il affirme détenir. Et sachez que dans le cas particulier, et c'est le seul des chèques cybersécurité, là, il y a un comité d'avis technique qui vous demande donc de répondre aux bonnes pratiques qui sont définies par le dispositif KISS dont j'ai parlé précédemment. Voilà. C'est aussi simple que ça, ça se passe sur dossier, mais soyez patient, ça prend parfois, comme je l'ai dit, un peu de temps. Il existe d'autres aides numériques, je ne vais pas m'étaler très très longtemps là-dessus, parce que je sais qu'il y a d'autres ateliers qui aborderont, par exemple, les interventions financières de la SOALFIN, ou qui l'ont déjà abordé, mais sachez qu'il est toujours possible de s'adresser à la SOALFIN hein, pour tout type de projet en entreprise, et peu importe que ce soit un projet numérique ou pas, ils sont là pour ça aussi. Ils peuvent couvrir tout type de dépenses. Le plafond est très très variable. Là, ça se négocie au cas par cas. Hein, les aides de la SOALFIN, en général, ça peut monter parfois jusqu'à 250 000 euros, mais ça peut être beaucoup plus restreint, 25 000, 20 000 parfois. Mais ce sera via une garantie bancaire ou un prêt subordonné. Ce n'est pas un subside à ce moment-là. C'est une garantie bancaire ou un prêt subordonné. C'est très avantageux, mais il faudra pouvoir rembourser un jour. Aucun secteur n'est exclu. Seuls les PME sont éligibles. Donc une PME, c'est quoi? Et ça, c'est valable, j'ai oublié de le dire, pour les chèques entreprises aussi. C'est que est considérée comme une PME au sens européen, une entreprise qui fait moins de 40 millions de chiffres d'affaires par an et qui emploie moins de 250 personnes. Il y a plus beaucoup d'entreprises wallonnes qui ne sont pas des PME, bien sûr, donc ça ouvre des horizons. Toujours dans le giron de la SOALFIN, mais via sa filiale Novalia, il existe des prêts qui sont dédiés aux projets innovants. Alors, il faut voir dans quelle mesure le projet est innovant, bien sûr, ça peut être un projet de transformation numérique, étant entendu qu'on ne vous demande pas une innovation
radical. Donc ce n'est pas forcément mettre un produit qui n'existe pas encore à travers le monde sur le marché ou rendre un nouveau service qui n'existe pas encore. Ça peut être de la transformation numérique incrémentale, de process, mais qui vous permet d'être plus innovant in fine sur votre marché. Et ça, c'est important, peut-être, Bruno, parce que, parce que je crois que c'est important dans le sens où, effectivement, ça peut être un fonds, enfin, de l'argent qui est utilisé pour de l'innovation, entre guillemets, technologique, mais également, comme tu l'as très bien dit, processus. Donc, ça veut dire que, quelque part, si je suis dans la recherche de changer mon business model, d'utiliser le digital et le numérique pour asseoir ce business model et donc faire un rebond de ma société, par exemple, ceci est tout à fait acceptable. Absolument acceptable. C'est tout à fait utilisable pour ce genre de choses. Tu as tout à fait raison. Et donc, c'est un prêt subordonné avec un plafond d'intervention de 500 000 euros maximum. Et ça peut être sous forme d'avances récupérables aussi. L'immense avantage des avances récupérables, c'est que les premières années, tant que vous ne faites pas de profit, tant que le projet n'est pas rentable, vous ne remboursez pas. Très bien. C'est toujours plus confortable. Mais à un moment donné, il faut quand même rembourser. Il y aura un moment où il faudra, oui. Ouais. Cela dit, puisqu'on en parle, donc sur l'ensemble des aides sous forme d'avances récupérables au niveau de la région, on estime que le taux de perte, entre guillemets, de non-remboursement est de 40%. Ce qui est relativement fait par rapport au risque et à l'innovation, voilà, qui voilà. Est toujours une zone à chute importante. Voilà, tout à fait. Et donc, aucun secteur exclu, et à nouveau, seuls les PME au sens européen. Vous avez enfin, et là, c'est pour des projets numériques radicalement innovants, les crédits à la recherche. Alors, les crédits à la recherche, ils sont donc délivrés par ce qu'on appelait la DGOCIS avant, hein, maintenant, qui est le SPWEER pour Économie, Emploi, Recherche, et qui est consacré vraiment à des projets pour mettre sur le marché des process ou des produits ou des services qui n'existent pas encore, au moins sur le territoire européen, ou pas sous cette forme. Ça peut être du hardware, ça peut être du software, comme je l'ai dit, ça peut être du process, du service, c'est comme vous en avez envie, mais là, il y a obligation de démontrer le caractère innovant, lourd. Tout type de dépenses, personnelles, autres, matérielles, que sais-je, est évidemment couvert. Le plafond d'intervention est variable, en fait, il n'y en a pas vraiment. Là aussi, c'est du cas par cas, c'est un dossier un peu plus lourd, il faut bien l'admettre, mais c'est parce que ce sont des aides qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions d'euros, hein, et qui sont donc étudiées et acceptées au cas par cas, sous forme d'avances récupérables toujours. Aucun secteur n'est exclu, même les grandes entreprises peuvent avoir accès à ce type de recherche. Ces crédits de recherche, je pense que c'est là où tu as une connexion notamment avec les programmes européens. Tout à fait. Style Horizon et consorts. Tout à fait. Et donc, ça peut passer par là. Voilà. Ça peut passer par là, ça peut être du FEDER aussi. Voilà. Donc effectivement, ce sont des montants européens reçus par la région. Le but étant toujours pour 1 euro que met l'Union européenne, la région doit en mettre un. Et donc, voilà. Ce sont des fonds qui sont créés pour alimenter ces fameux crédits. L'immense avantage que vous avez aussi, c'est que les crédits à la recherche, c'est une aide guichet. Hein, donc, ce n'est pas des appels à projets, ce n'est pas des appels d'offres. C'est, à n'importe quel moment, vous pouvez créer le dossier et aller en parler avec le SPOE pour avoir droit à cette aide. Je crois que ça, c'est important, parce que, Renaud, parce que, quelque part, c'est la première porte, et là, je prêche pour ma chapelle, c'est la première porte, en fait, notamment pour une start-up ou pour une PME, d'entrouvrir, en fait, la porte à l'internationalisation dans un projet où vous avez des collaborations européennes et donc, accaparer Absolument. Des expériences supplémentaires, de l'expertise supplémentaire, avoir des fonds pour asseoir sa recherche et évidemment, après recherche, nous parlons évidemment de capture de marché, mais si vous avez déjà des contacts Absolument. Grâce à ces programmes, ben, automatiquement. Donc, je trouve que ça, c'est une belle porte d'entrée oui, absolument. Pour aller dans ouais. cette direction-là. En général, d'ailleurs, on va retrouver rarement des entreprises isolées qui déposent des projets de ce type-là. On va trouver des consortiums avec bah, des entreprises plus utilisatrices, d'autres qui feront le développement, des entreprises étrangères qui sont prêtes soit à donner un know-how technologique, soit à être même distributeurs à l'étranger pour les solutions. Donc, en général, ce sont des consortiums qui déposent ce genre d'aides. Oui. Alors, il y a de nouvelles aides qui sont en préparation.
Vous voyez, donc ce n'est pas encore assez, mais la crise sanitaire étant passée par là, eh bien, vous le savez certainement, il y a donc eu de nouveaux financements européens qui sont venus. Alors il y a un premier type de chèque qui sera annoncé la semaine prochaine, donc qui sera opérationnel en janvier 2022, et qui est consacré spécifiquement à l'accroissement de la transformation numérique des TPE, donc les indépendants et grosso modo les commerçants, les entreprises de moins de 10 personnes sont particulièrement visés par ce dispositif. Les prestations éligibles seront non seulement toutes celles d'audit et d'accompagnement, mais contrairement au chèque numérique, aussi les coûts de mise en œuvre. Ça, c'est important aussi, parce que quand on a des petits projets, c'est typiquement le chèque REACT-EU, ici, c'est comme ça qu'il a été baptisé, qui sera utile pour vous. Et vous le voyez ici, taux d'intervention de 50%, plafond de 15 000 euros, mais comme je l'ai dit, tout type de dépenses peut être couverte. Mais attention, l'aide sera probablement de courte durée. 2022, 2023, et puis probablement cette aide s'éteindra. Donc profitez-en. En sont exclus les secteurs de minimis. Les grandes entreprises en sont exclues aussi, donc seules les PME peuvent y avoir droit, et en particulier, je l'ai dit, les TPE seront favorisées. Et les ASBL commerciales, seront éligibles. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que si vous êtes une ASBL, même assujettie à la TVA, les chèques entreprises, vous n'y avez pas droit. Donc ça, il faut prendre ça en considération. Là aussi, c'est quelque chose qu'on négocie avec le cabinet Borsu, parce qu'on trouve que certaines ASBL pourraient être considérées quand même comme étant à vocation commerciale. Et ici, dans ce cas précis, ce seront les ASBL assujetties à au moins 50% à la TVA qui seront éligibles au chèque REACT-EU. Dernier élément pour ces aides, il y aura une nouvelle aide numérique délivrée par la Sobalfin, peut-être par d'autres opérateurs aussi. Ça pourrait être les Invest. C'est parfaitement possible que des acteurs comme Nochac ou Sambre Invest puissent se délivrer cette aide aussi. C'est en discussion. Pour là, la mise en œuvre de projets de transformation numérique. Quelle est la logique derrière? La logique, c'est de dire l'échec entreprise couvre l'audit et l'accompagnement. Par contre, lorsque vous avez un projet qui nécessite la mise en place de hardware, d'infrastructures lourdes ou l'engagement de personnel très qualifié, ben, ça va vous coûter très cher quand même. Et donc l'idée ici, c'est de mettre sur le plateau une possibilité de financement via des avances récupérables toujours jusqu'à 500 000 euros pour la mise en œuvre effective de votre transformation numérique. Je l'ai dit, formation, personnel, infrastructure, hardware, software. Voilà. En seront exclus toujours les mêmes secteurs et ce ne seront éligibles que les PME. Voilà. Alors, je ne vais pas les présenter ici parce que ça prendrait énormément de temps. J'ai mis à votre disposition dans les slides quelques ressources complémentaires. Vous avez, par exemple, ici trois exemple assez parlant, je trouve, de transformation numérique dans des entreprises wallonnes. Une en B2C sur le marché de niche des articles d'équitation. Une de coopération interentreprise dans le secteur du transport, qui me tient fort à cœur parce que je l'ai vécu dans une autre vie il y a quelques années. Le passage à l'industrie du futur. Là, c'est pour les entreprises manufacturières, fabrication de cartes à puces qui reviennent sur le territoire wallon via l'entreprise BEA au Sartilement. Je vous ai mis également deux vidéos assez parlantes, une en business to business, une en business to consumer, deux vidéos de cas concrets d'entreprises qui ont bénéficié de ces aides numériques et qui, grâce à ça, ont pu avancer beaucoup plus vite dans leur process et leur conquête de marché, y compris à l'international, d'ailleurs. Et enfin, une petite liste
des bonnes pratiques de transformation numérique que je vous laisserai découvrir. Il y a 14 points, il y en a certainement d'autres, mais c'est toujours bon de l'avoir en tête lorsqu'on se lance dans un projet de transformation numérique et dans la négociation avec un prestataire, de voir si ces bonnes pratiques sont respectées au départ et durant le process de transformation. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Je vous rappelle de les poser via le chat. Pour l'instant, il y en a une, effectivement, qui concernait l'inscription comme consultant. Je vous laisse peut-être maturer tout ça. Peut-être qu'entre-temps, il y a une question très simple. Si moi, maintenant, je désire utiliser un mix de PAC, je pense que c'est tout à fait acceptable. C'est parfaitement acceptable. C'est parfaitement acceptable. Par exemple, la maturité numérique peut s'associer par la suite ou en parallèle à l'identification, par exemple, de toute la problématique de la cybersécurité. Absolument, tout à fait. Comme je l'ai dit, il y a évidemment des plafonds. Hein. Il y a toujours ces fameux plafonds, chèque par chèque, qui se cumulent. Le montant maximum pour tous les types de chèques possibles, c'est de 200 000 euros. Ce n'est pas la Wallonie qui l'a décidé, c'est l'Europe. Ça s'appelle les aides de minimis aussi. C'est comme ça, on ne peut pas donner plus de 200 000 euros de subsides. Maintenant, il y a plein d'aides qui ne sont pas de minimis. Il y a des aides à l'investissement, des aides à l'emploi, des aides à la recherche qu'on peut combiner. Et normalement, à part le système d'échecs, où comme je l'ai dit, c'est 200 000 en 3 ans, 100 000 maximum par année civile, bon... Les autres aides, vous pouvez les combiner avec les chèques entreprises. Comme je l'ai dit, il y a d'ailleurs une nouvelle aide qui va être faite exactement pour ça, pour qu'on puisse combiner et faire suivre le processus d'audit par une mise en œuvre sur base donc, d'avances récupérables. Et d'ailleurs, là, est-ce que c'est correct si je te dis que lorsqu'il y a audit, il y a justement identification de toutes les dimensions de la transformation digitale qui doivent être abordées, que ce soit, comme tu l'as très bien expliqué, la partie infrastructure, process et approche du marché. Et à ce moment-là, avec ce consultant, il peut également là aider l'entreprise à sélectionner les bons chèques. Absolument. Et à les mettre sur un bon planning. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Et, ça, et l'aider à avoir accès éventuellement aussi à d'autres aides de mise en œuvre. Il faut bien penser qu'un prestataire de chèque entreprise, en particulier, c'est comme un chef de projet à temps partagé. Son rôle, c'est vraiment de dire, voilà, je vais conseiller de manière neutre et la plus efficace possible une entreprise dans son processus. Ici, transformation numérique en particulier, ça peut être export. Ah, tout à fait. Voilà, tu veux en parler, donc voilà, c'est très bien. Passage de bâton. Merci à toi. Voilà, et donc il faut le voir comme ça, c'est une personne de confiance. Moi, j'ai coutume de dire que pour sélectionner un prestataire chèque, c'est comme si on engageait un membre du personnel. Il doit y avoir une relation de confiance entre les deux si on veut que ça fonctionne. Quoi. Voilà, il y a une présélection qui se fait au travers des filtres dont tu as parlé, mais cette présélection n'enlève pas l'obligation de l'entreprise à, je dirais, faire sa sélection. Absolument. Et clairement agir comme s'il n'y avait pas, en fait, l'agence numérique et le Digital Wallonia, voilà. Mais faire un double check et ne pas hésiter potentiellement à redémarrer la recherche d'un Absolument. Profil, si c'est nécessaire. C'est évidemment, comme toute prestation commerciale, c'est rencontrer plusieurs prestataires, c'est demander des devis, c'est voir de quel bois ils se chauffent. Le cas échéant, parce que pour certains chèques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prestataires, il est toujours possible d'envoyer un mail à l'ADN, à l'AWEX, pour demander une shortlist. En fonction du type de projet que vous avez, on pourra vous conseiller. Mais évidemment, nous, on ne va pas dire tel est meilleur que tel. Il est compétent là-dedans, à vous de faire votre choix et à bien vous entendre. Quoi. Voilà. Parce que je pense que ça, c'est aussi très important. Et là, je vais faire référence à mon expérience, mais surtout... Je pense dans l'axe des auditeurs que nous avons, qui est clairement peut-être en ligne avec les tendances wallonnes, c'est-à-dire que 70% à 80% de notre secteur économique, ce sont des PME. On sait qu'en moyenne, dans ces PME, on est entre 5 et 10 employés en moyenne, sachant qu'il y a des extrêmes des deux côtés, que tu l'as très bien dit, on veut adresser clairement à la fois les TPE
comme les PME, mais aussi les grandes entreprises, mais surtout les PME et les TPE. Donc dans ce cadre-là, et là je fais référence un peu à mon vécu, j'ai travaillé pendant 30 ans, 35 ans dans les grandes sociétés internationales, avant de passer à la WEC, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une start-up. Et cette start-up, mon job était de faire un scale-up dans sa transformation digitale. Voilà. Ben en fait, qu'est-ce que vous avez ? Ben, et là, je compatis avec tout le monde et je trouve ça excitant aussi. C'est qu'on est au four et au moulin. On n'a pas le temps à la fois d'être dans la gestion de la production et dans la transformation de son entreprise. Si on ne parle que du temps, hein, parce qu'il faut qu'on parle budget, et ressources et compétences. Et donc, c'est pour moi fondamental, et je l'ai vu notamment dans cette société, c'était fondamental de trouver une aide qui est réellement, comme tu le dis très bien, un partenaire, un membre du staff, quelqu'un de confiance, qui permet réellement de vous booster et de ne pas hésiter dans vos chemins. C'est ça. Parce que ça, c'est le gros problème, c'est qu'on hésite, on va prendre par exemple un ERP ou on va prendre un CRM, mais grosso modo, on le manipule mal, on perd du temps, ce temps n'est pas utilisé pour la créativité, pour le produit ou pour l'opération, et ça, c'est mortel dans une petite structure. Ou même pire, on hésite et on reporte le projet. Voilà. Et lorsqu'on se décide, ben la solution qu'on avait choisie est devenue obsolète. Exactement quoi. Et c'est à ça aussi que ces prestataires servent, c'est à vous booster, c'est-à-dire, moi j'ai le temps d'y penser, j'ai le temps de vous conseiller, j'ai le temps de chercher un prestataire, lancez-vous quoi. Voilà. Il ne faut pas tout faire en même temps, hein. C'était dans la checklist ici. Hein. C'est très déconseillé de vouloir tout faire en même temps, ça n'est pas possible. Voilà, ça ne marchera pas, mais il faut au moins se décider et se lancer. Sinon, voilà, vous courez le risque de vous heurter à des solutions qui sont tellement mouvantes qu'elles ne seront plus valables pour vous. Voilà. Eh bien, écoute, on parlait d'export. J'ai le plaisir de te laisser la parole. Ben, je prends le bâton avec plaisir. Donc, ayant parlé maintenant de cette aide à la transformation digitale, mais au niveau, je dirais, endogène, on va dire ça comme ça, en fait, maintenant, l'idée, c'est de se dire... comment le digital peut vous aider à aller au-delà, c'est-à-dire aller à l'export. Et la structure de la présentation que je compte vous faire maintenant est en ligne avec celle de Renaud, c'est-à-dire que je vais passer en revue des aides avec des slides relativement bien denses, mais l'objectif, c'est justement que ces slides vous soient disponibles, comme l'a très bien dit Renaud, par la suite, et que de telle façon que vous puissiez les utiliser comme, strapontin pour aller vers les bonnes personnes et les bons endroits. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tout d'abord recontextualiser l'international, et notamment l'international dans le contexte du digital. Ensuite, rapidement passer en revue la WEX, pour revoir un peu les services globaux que nous faisons, à la fois pour le digital et le non-digital, parce qu'en fait, ils sont très entremêlés. Et puis, faire un focus sur la nouvelle structure que nous avons mise en place pour justement booster un certain nombre de secteurs. Nous en avons 7. Un d'entre eux, c'est clairement l'économie digitale, autant le secteur du digital que l'utilisation des solutions digitales. Donc, dans ce cadre-là, je crois que la première question qu'on doit se poser... est-ce que l'international est un choix ? Et la réponse est très simple. Aujourd'hui, et Renaud l'a très très bien expliqué, vous êtes dans un processus, que vous le vouliez ou non, qui est un processus en fait de digitalisation. Et foncièrement, maintenant c'est vrai que c'est ma formation et ma tasse de thé, foncièrement je pense que c'est un atout pour une entreprise, mais aussi pour l'humain, d'aller vers la digitalisation. Que ce soit dans la réduction de tâches pénibles, jusqu'à potentiellement avoir des impacts sur l'utilisation CO2. Sachant et ayant dit ça, vous avez des phases. Et les axes en fait, qui ont été décrits par Renaud, vous les retrouvez ici. Dans le passé, on s'est concentré énormément sur l'information, sur digitaliser l'information, digitaliser les processus, digitaliser tout doucement... plus que les processus, c'est-à-dire les aligner entre eux, etc. Mais c'était essentiellement de la digitalisation. Maintenant, nous sommes passés à l'étape suivante, c'est qu'on s'est rendu compte que cet outil qu'on appelle l'ICT, en fait, peut être également un outil qui change complètement votre paradigme. Et les meilleurs exemples, je pense, Renaud, c'est Amazon, c'est Facebook. Ce sont toutes des sociétés qui ont changé le paradigme où le client est plutôt le fournisseur de publicité plutôt que l'utilisateur qui recherche l'information. Or, moi, j'ai connu les web il y a 20 ans. On ne pensait au départ que le business model allait être simplement fournir l'info.
Et tous ces business models ont changé. Et c'est là-dedans, je trouve que Renaud, ta présentation est importante, c'est qu'il faut penser dans cette dimension-là. Donc, Renaud et moi, je crois qu'on est en ligne. Absolument. C'est le cas de le dire. Voilà. Be or not to be, eh ben, c'est, vous soyez digital ou vous ne le serez plus demain. C'est un peu comme refuser les livres il y a 2-3 siècles, ou même plus. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que lire un livre, c'est transfert de connaissances et ou un élément ludique. Maintenant, l'autre dimension qui me concerne, évidemment, c'est l'international. Alors, l'international, en fait, si vous voyez dans le passé, on se posait cette question très souvent, je ne dis pas systématiquement, mais dans une phase ultérieure de la conception de l'entreprise. Et ça fait longtemps que l'international existe dans les entreprises, ça c'est clair. Mais je pense qu'il faut bien vous rendre compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, c'était vrai, c'était peut-être pas vrai avant-hier, c'était vrai déjà hier, et c'est vrai encore aujourd'hui, et ce sera encore plus vrai demain, c'est que la construction d'une entreprise va essentiellement se baser évidemment sur votre compétence et votre structure interne et votre système endogène, mais ses connexions vers l'international. Pour un ensemble de raisons. Raison de complexité de la solution, raison tout simplement que le marché va être trop petit, c'est le cas de le dire pour la Wallonie d'ailleurs. Donc nous avons cette culture, donc surtout il faut l'utiliser. L'idée aussi d'avoir des expériences, le marché du travail est de plus en plus complexe, est de plus en plus, je dirais, pas faible, mais en dessous, en fait, de la demande. Donc, vous allez devoir jongler potentiellement avec des compétences qui sont en dehors de nos murs. Et cela va impacter tout un ensemble de dimensions dans votre entreprise. Et donc, là, la même réponse, c'est que le digital, to be or not to be, si vous n'êtes pas avec une dimension internationale, que ce soit pour vos clients ou vos fournisseurs, je pense que vous ne serez pas également demain, car notre planète devient un village et vous devez en prendre conscience si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, et je peux même ajouter à cela qu'il y a deux facteurs qu'on peut mesurer. D'une part, plus une entreprise est active à l'international, plus elle est numérisée. Ça, on l'observe à travers le baromètre donc de maturité numérique. Il y a vraiment une forte corrélation. Et le deuxième élément, c'est que si vous êtes une entreprise et que vous désirez vous satisfaire du marché wallon, ben, le maximum de taille que vous allez atteindre, c'est peut-être 3 ou 4 personnes, ce ne sera jamais beaucoup plus. Hein. Donc la dimension internationale est devenue vraiment, comme tu le dis, totalement incontournable. Tout à fait. Et ceci introduit très bien le slide suivant, qui est un peu complexe, mais je pense que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que contextuellement, vous avez donc des processus de votre entreprise qui sont classiques et tout est centré sur le client et encore plus demain. C'est la compréhension des marchés, notamment des marchés internationaux, des besoins de vos clients, de comment vous allez générer vos produits qui vont potentiellement être fortement basés sur de la technologie digitale sans pour être un produit digital en tant que tel. Hein. L'idée également d'avoir une force de vente qui va être décentralisée, donc par conséquent qui doit être effectivement efficace, mais en mode distribué, de travailler au niveau de votre production sur base des informations collectées et de façon, je dirais, efficace et sans erreur, et mieux, de façon personnalisée, parce que de plus en plus, les produits sont personnalisés, seront personnalisés. Donc la chaîne entre la compréhension des besoins du client et la production va être une chaîne qui va être de plus en plus à être en temps réel, si je puis dire, et avec des informations, donc des données, qui vont devoir être véhiculées rapidement, sans erreur. Mais il ne faut pas oublier que vous avez toute la logistique pour fournir votre produit, qui va également potentiellement utiliser des éléments internationaux. Et comme on dit en anglais, last but not least, vous allez devoir suivre votre client. Et ça va être de plus en plus important de suivre votre client. Le helpdesk est entre guillemets dépassé. Aujourd'hui, ce helpdesk devient un outil de suivi de client, non pas uniquement pour résoudre des problèmes, mais également pour capturer en fait ses futurs besoins et surtout capturer votre client à long terme. Évidemment, vous avez des fonctions qui au-delà de ça, supportent votre entreprise. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Ça va de l'ICT, donc l'infrastructure IT, jusqu'aux finances. Ce qui est vraiment important comme message à passer ici, c'est que toutes ces actions vont devoir subir une transformation numérique, et la Renault les a très bien recouvertes avec des aides, mais également, vous allez avoir des connexions avec des partenaires.
Et ces partenaires commencent déjà à la conception de vos produits et même potentiellement à la recherche d'informations sur le marché pour les comprendre, jusqu'à la production, mais également à la logistique et encore potentiellement au suivi du client de façon distribuée. Alors que ce soit des filiales, que ce soit des partenaires, que ce soit des franchisés, vous allez devoir rentrer dans un contexte où vous allez devoir parler avec eux, les organiser, les synchroniser avec vos demandes et vos stratégies. Et ceci ne va pouvoir être fait dans le futur que dans un contexte de digitalisation. D'où la remarque que tu faisais, Renaud, qui est clairement, on voit que plus la société va à l'international, plus elle se digitalise parce qu'elle constate que c'est en fait un gain non négligeable. Donc lorsque vous pensez à votre transformation digitale endogène, réfléchissez, même si vous n'y êtes pas encore, réfléchissez à ce que votre transformation accepte les connexions et les échanges de données avec des éléments internationaux. Alors, très rapidement, avec ce contexte, où se positionne l'AWEX ? Mais tout d'abord, l'AWEX, qui c'est ? L'AWEX est en fait un organisme qui va vous aider à se positionner en toute symbiose avec l'Agence numérique et Digital Wallonia, vous aider à soit augmenter votre demande, et donc par conséquent, ce sera un concept d'exportation, ou d'aller chercher des investisseurs, notamment les investisseurs structurants, et les amener en Wallonie pour qu'ils s'installent en Wallonie. Et évidemment, là, on voit également toute la dimension projets internationaux, dont notamment les projets de recherche au travers de Wallonie-Bruxelles. Donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'augmenter notre visibilité, c'est de vous aider, en fait, à trouver des environnements structurants pour faire vos exportations et ou pour attirer des partenaires qui vont vous aider à être structurants. C'est de renforcer tout cet écosystème, à la fois au départ à la conceptualisation d'une solution, mais jusqu'à la production et à la distribution de celle-ci. Alors, comment on le fait ? Mais nous avons une structure. La première, c'est que nous avons une structure de centres régionaux. Donc ce sont des bureaux dans lesquels, en fait, nous accueillons les entreprises wallonnes et avec elles, nous discutons justement de tout l'environnement que cette entreprise aurait besoin pour aller s'exporter. Et c'est le premier contact que je vous suggère d'avoir, c'est de contacter le centre régional, si ce n'est pas déjà fait, afin, si vous avez l'intention d'aller à l'international, et je pense que vous devez le faire, c'est de comprendre également, à travers ces personnes, ben, en fait, où vous vous situez et comment on peut mieux vous positionner. Et là, nous vous enregistrerons dans les bases de données de l'AWEX et les supports de l'AWEX dont je vais parler par la suite. Mais nous avons également des bras internationaux, et ces bras internationaux sont une centaine d'attachés économiques et commerciaux, dont l'objectif, c'est de connaître les environnements à l'étranger, de comprendre en fait ce dont ces écosystèmes peuvent fournir à la Wallonie, ou inversement, comment les sociétés wallonnes peuvent s'y intégrer. Et donc, le centre régional, avec l'élément central de l'AWEX, plus les centres à l'international, vont vous aider clairement à avoir justement l'accès que vous auriez peut-être des difficultés à avoir. Et donc, notre objectif, c'est réellement lancer la machine avec vous dans ce cadre-là. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour vous supporter ? Et là, j'ai repris la même structure que Renaud, donc la logique est la même, les définitions sont les mêmes. Le premier message que j'aimerais bien vous passer, c'est que tous ces packages dont je vais parler par la suite, en fait, sont structurés en trois grosses étapes. La première, c'est vous préparer à l'international. La deuxième, c'est vous accompagner. La troisième, c'est potentiellement de rebondir, puisque nous avons également pensé à des solutions pour notamment couvrir les risques de perte de marché ou les pertes de marché qui se sont passées avec le Covid. Donc, nous avons un certain nombre de packages dont nous allons parler à l'instant et je vous invite par la suite à aller sur notre site de l'AWEX Export où vous avez tous ces packages détaillés et avec les pointeurs vers les bonnes personnes aux bons endroits au sein de l'AWEX que vous pouvez contacter. Alors, le premier élément, c'est la consultance. La consultance à l'export, l'objectif en fait de ce package, c'est quoi ? C'est tout simplement de vous assigner, enfin de vous permettre d'avoir des spécialistes en commerce extérieur, et également en design d'export, de telle façon que vous pouvez ensemble définir en fait votre stratégie à l'export. Et donc de parler des points forts, des points faibles,
des zones géographiques sur lesquelles vous pouvez en fait vous lancer. Et comme ça, nous pouvons alors vous accompagner de façon beaucoup plus précise face à vos besoins, mais également mettre en évidence certaines contraintes que vous n'auriez pas encore identifiées. Alors, vous voyez, comme dans le cadre de Renault, ben, vous avez un ensemble de contraintes. Je ne vais pas les lister entièrement. Je vous invite à regarder ces slides par la suite, mais elles sont relativement similaires aux autres packages. Alors, la deuxième chose, c'est que potentiellement, vous avez besoin d'un support très ponctuel et très centré. Et donc, ça, c'est l'objectif, en fait, du deuxième chèque d'entreprise. Le premier l'est aussi, d'ailleurs. C'est de booster votre export. Et comment? C'est d'avoir en fait des packages un peu plus réduits, mais qui en fait focalisent dans des thématiques telles que toujours l'export, mais surtout un marché ou des marchés, je dirais, internationaux où il vous faudrait certaines expertises. Développer en fait votre stratégie web marketing et vos outils, mais aller jusqu'à potentiellement vous fournir des cours de langue afin d'augmenter justement cette internationalisation avec les bonnes compétences, bien entendu. Alors, l'autre élément que nous considérons comme très important, c'est évidemment de pouvoir communiquer, parce que si vous voulez aller à l'international, vous devez communiquer vers l'extérieur. Et donc, on sait très bien que cette dimension-là est très demandeuse en capitaux, mais aussi en temps et en expertise. C'est toute la communication, que ce soit papier ou digital, que ce soit vidéo ou image, c'est tout cet ensemble de marketing communication que l'on peut sur laquelle on peut vous aider. Et là aussi, les interventions sont, comme vous pouvez le voir, intéressantes et vont vous permettre justement d'avoir le bon folder et le bon panneau jusqu'à la bonne vidéo sur le bon layout de votre site pour accaparer des marchés qui, n'oublions pas, certains marchés ont évidemment des tendances culturelles que d'autres. Et donc, par conséquent, il faut aussi tenir ça en compte. Et je précise que c'est parfaitement compatible et combinable avec l'aide croissance et développement en e-marketing. Parce que justement, la partie e-marketing endogène peut être consacrée à la campagne de communication sur les marchés, entre guillemets, ouais, locaux. Et l'adaptation se fera via le chèque AWEX ici à l'export. Et ça, Renaud, je pense que c'est très important. Ça veut dire que lorsque vous parlez notamment de votre transformation numérique ou que vous vous intéressez à un package, n'hésitez surtout pas à vous dire « Oui, mais si je devais passer à l'international ou je vais passer à l'international, mais grosso modo, je ne sais pas, parce que la première phase est mauvaise, rappelez-vous mon premier slide, c'est plutôt « Je ne sais pas quand je vais passer à l'international, mais je vais en fait prendre cette dimension. » Donc, il ne faut pas hésiter de merger des packages interinstitutionnels. N'oubliez pas que ces chèques entreprises, autant l'AWEX que l'Agence du numérique et Digital Wallonia utilisent le SPE. C'est le SPE qui a ces chèques pour nous. Et donc, par conséquent, n'hésitez surtout pas à faire les bons assemblages ou à demander conseil autant à l'Agence du numérique qu'à l'AWEX pour le faire. L'autre chose intéressante, c'est qu'on n'a pas oublié et on a constaté qu'aller à l'international peut être pénible. Pas parce que le marché n'est pas intéressant ou parce que vous n'êtes pas motivé ou que c'est une obligation. Généralement, les entrepreneurs y vont, je dirais, au pas de course. Mais c'est surtout parce qu'il y a une administration non négligeable lorsque vous commencez à vouloir exporter. Parce que chaque pays a ses règles et a ses lois, parce que ce n'est pas évident donc, de mettre tout ça en place. Donc, nous avons en fait un service, on va dire, de secrétariat qui va vous permettre justement de vous aider dans toutes les compréhensions, que ce soit les formalités de transport, que ce soit les négociations, les régulations étrangères dans un pays ou dans un autre, jusqu'à des séminaires techniques sur l'export, ciblés sur certains marchés sur lesquels vous voulez intervenir. Là, c'est peut-être un détail important, c'est que c'est complètement gratuit au niveau des supports dits classiques, comme vous pouvez voir. Donc, si vous êtes allé au centre régional et que vous avez fait votre enregistrement, automatiquement, ces services vous sont donnés. Tout ce qui est un peu plus technique et un peu plus complexe, là, il y a en fait des participations financières à prendre. Alors, je continue, et ça, évidemment, c'est un des gros éléments, c'est les foires. Et là, on sait pertinemment que la communication, c'est bien, le secrétariat, c'est aussi bien, mais quelque part, vous devez physiquement aller dans le pays.
et physiquement travailler à ce niveau-là et vous faire voir sur des stands. C'est aussi un atout pour vous pour comprendre le marché, hein, c'est additionnel aux autres packages. Et donc là, l'idée, c'est de vous aider à aller dans ces foires. Donc, on participe dans la location de votre centre d'exhibition à raison des limites qui sont écrites sur ce slide. Et si c'est la première fois que vous faites ce genre d'activité avec nous, ben, automatiquement, on vous donne un peu plus, notamment le design de votre stand, par exemple, les messages clés à passer. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Et c'est des choses qu'il ne faut vraiment pas négliger, car nous avons des expériences. Là, je vous invite d'aller sur le site web pour les voir. Nous avons des témoignages qui sont extraordinaires, dans le sens où il n'y a encore pas longtemps, il y a une personne qui est allée avec des pieds de plomb dans un salon, alors que d'autres y vont avec la fleur au fusil, quasi. Mais grosso modo, ils hésitaient. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. La personne est à la fois dans la... Comment on appelle ça? Dans le travail de tous les jours, et à la fois doit s'occuper de sa promotion. Ben, évidemment, ici, la personne hésitait entre ben, « je resterai bien en Belgique et en Wallonie pour faire ma production, mais j'aimerais bien quand même être dans le stand ». C'était ça son dilemme. Il est revenu en disant « je ne me raterai plus jamais un stand parce que j'ai déjà 4 clients avec lesquels je vais pouvoir discuter pour l'export ». Et je pense que ça, c'est le système que l'on peut vous offrir. À cela se rajoutent d'autres éléments comme des missions princières et des choses comme ça que nous pouvons également suivre avec vous. Alors évidemment, qui parle de foire, ben c'est bien, vous allumez la mèche. Après, votre client, s'il est là, potentiellement, vous allez devoir le voir. Vous allez devoir potentiellement, après un salon, vous dire « mais en fait, je dois prospecter ce marché ». Donc vous devez physiquement aller là-bas. Donc là, on vous supporte également. Donc on peut vous supporter pour que vous ayez sur les marchés et que vous ayez voir sensu stricto, en fait, quels sont vos potentiels sur les environnements, mais surtout, aller également sur base d'invitations, de prospects ou de décideurs, vous permettant de finaliser vos contrats avec vos clients. Chose importante, c'est que vous avez également de l'aide sur des études de faisabilité que vous auriez à faire avant de démarrer les étapes dont je viens de parler. Alors, tout logiquement, après cette phase-là, ben, vous pourriez être tenté, et je l'espère, de créer en fait un bureau. Et donc là, on vous supporte également dans la création de ce bureau de vente à l'étranger. Et donc, c'est à la fois les coûts pour établir ce bureau que les prix ou les salaires et rémunérations du gérant et de son assistant. Et donc, je pense que ça, c'est aussi très important parce que ça va vous aider, en fait, à vous installer dans un territoire après potentiellement une première phase où vous feriez tout à distance ou inversement, vous avez peut-être l'obligation de vous installer localement pour des raisons de culture ou tout simplement de régulation. Alors, quelque chose que nous vous proposons de faire, et je dis ça notamment à l'approche du coworking dont tu as parlé, Renaud, je pense que c'est vraiment important, c'est que si vous pouvez en plus, et notamment ici je parle au monde digital principalement, mais je crois que c'est vrai également dans les autres secteurs, et surtout pour les petites structures, c'est de vous inclure dans un incubateur à l'étranger. Et là, nous couvrons les coûts supplémentaires également sur base de ce qui est écrit sur ce slide. Et là, c'est important parce que, un, vous n'êtes pas seul sur le territoire à l'étranger, vous êtes entouré d'autres start-up et d'autres entreprises qui démarrent comme vous. Mais surtout, vous allez alors avoir un partage d'expérience à la fois sur l'écosystème local, sur la culture locale, sur les régulations locales qui sont des zones entre guillemets de non-compétition et, last but not least, un encouragement parce qu'évidemment, la prospection n'est pas rose tous les jours et donc, par conséquent, vous allez avoir un effet de levier. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous allez hériter de tout un service fourni par l'incubateur, que ce sont de la logistique, mais également potentiellement des conseils légaux et ou autres qui, alors là, seront clairement facturés en plus des prix de l'incubateur. Alors, je rejoins ce dont Renaud a parlé, qui est en fait toute la discussion concernant les financements. Donc, Solwalfin a été mentionné.
Nous avons un département également en interne à la WEX qui vous aiderait et peut vous aider à trouver des financements dans des projets internationaux ou même mieux dans des organisations internationales. Nous avons parlé évidemment des projets européens, mais il n'y a pas que ça. Vous avez par exemple la Banque mondiale, vous avez la Banque de développement interaméricaine, vous avez un autre exemple qui est la Banque de développement africaine. Je vais prendre un exemple, nous avons eu un projet où la Banque internationale d'Amérique latine nous a demandé, mais est-ce que vous avez des solutions qui nous permettraient en fait de suivre l'évolution de l'environnement dans les pays d'Amérique latine. Et nous aimerions avoir en fait un système qui couvre les forêts. Et ce système devrait être hyper innovant et devrait à la fois inclure les gens locaux, mais également avoir une vue globale sur le pays, ou sur les pays, parce que c'est une solution. Eh bien, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons travaillé au niveau de l'écosystème wallon pour trouver en fait un groupe de sociétés, on en a trouvé trois, et grâce à ce consortium, nous étions capables d'analyser en fait la situation forestière au niveau spatial, au niveau de drones, et également au niveau d'éléments avec intelligence artificielle intégrée, localement et sur place, où les personnes, les habitants, pouvaient aller sur place et mesurer en fait la qualité des arbres sur place avec un outil qui allait transmettre les données directement à un centre de contrôle. Et donc, ça, c'est le style en fait de discussion que l'on peut avoir avec vous pour vous booster en fait à l'étranger au travers de ce genre de programme. Donc, financièrement, et là, je vais me resynchroniser avec toi, Renaud, financièrement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des aides pour vous aider, mais on a également des pools qui ont été notamment mentionnés par Renaud, mais d'autres, comme par exemple la Sofinex, qui est un outil spécialement pour l'exportation, où par rapport à vos différentes phases, que ce soit votre recherche, votre prospection, votre positionnement à l'étranger, mais également vos offres commerciales, nous pouvons vous aider à la fois à travers nos conseils, nos packages de services, mais également des financements vis-à-vis de différentes institutions wallonnes. Donc les outils sont là, il faut les assembler, et je crois que ça, c'est vraiment la chose la plus importante, et là, on peut vous aider. Alors, les quelques dernières choses que j'aimerais bien vous mentionner, c'est que nous avons un programme Explore, et là, ne le négligez pas, c'est la prise, en fait, de jeunes diplômés ou d'étudiants dans votre entreprise, que vous pouvez utiliser pour notamment se concentrer sur la partie export, et ensuite les envoyer à l'international. Et donc, dans ce concept-là, c'est par exemple une ressource complémentaire que vous pourriez avoir dans votre structure si celle-ci est entre guillemets trop petite ou si vous avez des difficultés d'engager quelqu'un parce que vous n'êtes pas sûr, grosso modo, de la pérennité de l'engagement. Ce sont des choses qui peuvent être faites. Nous avons encore un exemple où une personne a fait ce genre d'exercice et est allée à l'étranger. Elle a été engagée dans la société qui était une start-up et maintenant cette start-up exporte à l'international en utilisant la ressource qu'il a faite. Autre chose, c'est que nous aidons les fédérations, pour votre information. Donc nous avons en fait un plan d'action que nous planifions à l'avance. C'est des actions, ce sont quoi ? Ce sont les foires, etc. Et bien, dans ce cadre-là, nous finançons les fédérations, donc par exemple les clusters, mais également les pôles de compétitivité, de telle façon que la dimension internationale est également prise dans leur stratégie. Alors, last but not least, j'aimerais bien quand même vous parler d'un élément qui est la possibilité d'avoir un interim export manager, donc en fait un gestionnaire d'export, notamment si vous avez eu des pertes de marché dans le cadre du Covid. Et donc là, cette personne est un consultant qui va vous permettre, et donc c'est un chèque d'entreprise, vous permettre de rebondir. Maintenant, attention, ce n'est pas parce que le Covid-19 ne vous a pas impacté que vous pouvez utiliser ou pas utiliser certains autres packages. Je pense notamment aux boosters qui vous permettraient d'accéder à des marchés bien spécifiques pour relancer votre machine pour d'autres raisons. Alors, ceci, c'est donc les packages, grosso modo, globaux que nous avons au sein de la WEX et qui, évidemment, portent sur le numérique. Hein, dans toute sa splendeur, puisque ça va vous aider également à déployer vos solutions qui utilisent le numérique à l'étranger ou utiliser le numérique, notamment le web, le e-commerce, etc., pour aller atteindre des cibles à l'étranger. Alors, plus spécifiquement, et là je vais rapidement, c'est que nous avons un deuxième axe, qui est l'axe des investissements. Et là, en fait, on a tout un ensemble de services qui vont vous permettre à des entreprises à l'étranger de venir s'installer en Belgique.
Mais attention, vous pourriez très bien imaginer que vous avez envie de faire un partenariat avec une société étrangère. Donc on vous aide dans ce partenariat. Mais ensuite, vu l'évolution du business, ce partenaire a peut-être intérêt à faire une filiale chez nous. Et donc là, c'est là où l'investissement, je vous propose de ne pas le négliger, parce que vous pourriez peut-être être pour nous un identificateur d'une cible pour venir en Wallonie et donc, par conséquent, être structurant pour notre écosystème. Car rejeter des entreprises de l'étranger n'est pas une bonne idée. Nous avons, en fait, et vous allez voir plus tard, un certain nombre d'écosystèmes où nous serions très intéressés d'avoir de l'expérience. Alors, l'autre élément très important, c'est que même si vous allez, par exemple, vous avez un partenaire à l'étranger qui a une petite structure, ne le négligez pas. Ça peut être le début, en fait, d'une collaboration qui va alors potentiellement autant étendre votre business que le business de votre partenaire. Et donc, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle un soft landing, c'est-à-dire, en fait, de permettre à des sociétés étrangères de venir au même titre que vous, nous vous financerions parce que vous allez dans un incubateur, ben nous construisons en fait des incubateurs qui proposeraient des services à des entreprises, notamment petites et moyennes, start-up, innovantes, de venir en Wallonie et de profiter en fait d'un incubateur local. Et donc c'est là, ne négligez pas cette option, que ce soit une moyenne entreprise ou une petite entreprise, les options sont disponibles. Alors, le secteur digital. Et je propose peut-être de continuer. J'avais l'intention de vous poser des questions, enfin de vous laisser poser des questions, mais vu le temps, je propose de continuer jusqu'à la fin et puis d'ouvrir en fait le débat. Donc, au niveau sectoriel, on a spécialisé la WEX. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on a tout simplement créé, il y a quelques mois, un nouveau département dans lequel nous avons 7 secteurs qui sont suivis de plus près. Et ils sont suivis de plus près par un binôme. Et ce binôme est en fait à la fois un business developer manager qui a beaucoup d'expérience avec la WEX et l'ADN et d'autres partenaires locaux. Et nous avons ce qu'on appelle un expert ou un spécialiste qui a, lui, une plus grande expérience dans l'industrie en question. Votre humble serviteur est, par exemple, celui qui est ce spécialiste dans le cadre du digital avec plus de 30 ans dans ce domaine. Et nous avons exactement les mêmes profils dans les autres secteurs. Quel est notre objectif ? Notre objectif, c'est de bien être et de bien comprendre l'écosystème wallon qualitativement. Et en ce qui me concerne, évidemment, c'est un travail en binôme avec nos amis de l'agence du numérique. C'est également comprendre et définir une stratégie pour se focaliser, pour ne pas non plus attaquer 50 cibles à la fois, mais bien les bonnes cibles au bon moment. C'est de mettre en place et ou de faire un levier sur les réseaux d'innovation existants. Et n'oubliez pas qu'on en a plusieurs, notamment Owin. On a aussi, par exemple, des réseaux à l'étranger grâce à nos CEC. C'est de les interconnecter et donc de faire des networks de réseaux de réseaux. C'est évidemment supporter les entreprises qui vont à l'export. Et donc là, on viendra dans les dossiers pour vous aider, notamment à prendre vos décisions et à vous aider à aller plus loin. Deux, c'est également travailler dans les dossiers d'investissement et évidemment de travailler sur des partenaires structurants, exemple un Google qui vient s'installer en Wallonie ou un GSK de demain. C'est exactement le style de gros partenaires structurants que l'on essaye de capturer en plus de promouvoir notre secteur. Alors, comment on le fait ? Ben, c'est très simple, c'est qu'on analyse évidemment l'écosystème et les technologies, on benchmark avec l'étranger et on essaye d'être pour vous, en fait, un élément qui est capable de voir les forces et les faiblesses et les opportunités et d'amener cette expertise dans vos dossiers. Alors, globalement, d'où viennent les informations ? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vous écoute, ce qui est très important, donc n'hésitez pas à nous contacter. On regarde les atouts que la Wallonie a, on regarde les tendances dont Renaud a parlé, internationales, qui sont les plus porteuses. Si vous prenez par exemple l'intelligence artificielle, le marché de l'intelligence artificielle est évalué en 2028 à quelque chose comme 300 à 350 milliards de dollars comme étant son potentiel. Donc un produit qui utilise de l'intelligence artificielle, qui sera une nécessité dans le futur, aura une partie de ce marché-là. Donc ne le négligez pas et évidemment, on se synchronise avec les stratégies gouvernementales comme notamment les stratégies de la S3 ou le programme Digital Wallonia qui est géré par l'agence du numérique.
Là, je ne vais pas aller dans le détail. Simplement, ce que Renaud vous a mentionné, c'est qu'on a un écosystème, notamment numérique, qui est en fait puissant. On n'a pas à en rougir avec nos 2400, 2500 entreprises, mais également autant par nos universités que par les programmes de support, notamment internationaux, européens et belges, ainsi que wallons, qui sont à votre disposition. Donc cette collaboration, elle est là pour vous servir, et notamment dans le numérique. Je ne vais peut-être pas trop aller dans les détails ici, mais je crois que c'est important. La stratégie que nous comptons mettre en place dans le cadre du numérique, c'est clairement renforcer le territoire wallon avec des technologies d'avant-garde, que ce soit dans la cybersécurité, le réseau et le data center, et donc la force de calcul, parce qu'avoir un territoire digital est aussi obligatoire qu'avoir un territoire physique, à la fois pour créer des solutions et accueillir des investisseurs. Les écosystèmes sur lesquels nous allons nous concentrer, qui sont actuellement déjà forts en Belgique, qui sont le life science, la logistique, l'industrie créative, les smart cities et l'industrie. Mais nous n'avons évidemment pas négligé tout ce qui est green life, l'agriculture ou l'éducation, qui sont en train de prendre de la puissance. Ben, ces écosystèmes, leur valeur, leur chaîne de valeur, nous allons en fait les positionner par rapport aux technologies avancées pour mieux positionner la Wallonie. Et donc, par exemple, c'est de positionner des produits qui utilisent l'intelligence artificielle, l'IoT, les twins, la réalité virtuelle, la blockchain. Et chaque fois, nous allons travailler dans un aspect de plus pousser l'exportation si on est, je dirais, avancé dans la technologie ou d'attirer des acteurs structurants, et ceci en collaboration avec des entreprises comme la vôtre. Évidemment, on ne va pas négliger la fameuse couche verte, qui est très importante. Cette couche verte, c'est ce dont on a parlé, c'est cette fameuse suite de processus que vous devez transformer digitalement. Et donc là, on est tout à fait conscient qu'il y a toute une série de technologies qui sont nécessaires pour vous. Et donc, on va se focaliser également sur ces technologies-là, qui sont relativement matures, et on va vous aider à trouver ces technologies à l'international si elles n'étaient pas sur le sol wallon, ou de faire venir des acteurs structurants sur notre sol. Ça, c'est notre en fait vision, de telle façon que notre écosystème digital soit le plus solide que possible pour supporter cette transformation numérique dont Renaud vous a parlé. Car les outils sont à la fois à l'international que autant localement. Alors, de façon internationale, peut-être pour terminer, nous ne sommes pas seuls. En plus des CEC, nous avons spécialisé 10 endroits qui vont faire un focus beaucoup plus important sur la partie digitale. Et donc, nous en avons actuellement 10 qui sont localisés, comme vous pouvez le voir, à travers le monde. Ce réseau peut changer de place suivant les évolutions. Leur objectif, c'est d'être une veille beaucoup plus pointue pour nous à l'étranger, d'identifier les acteurs structurants, de vous aider si vous voulez aller dans des marchés qui sont spécifiquement suivis par ces hubs. Et attention, ces hubs ont une responsabilité régionale. Donc, si je prends par exemple Singapour, nous parlons là de toute l'Asie de l'Ouest qui est couverte par ce hub. Et donc, de nouveau, vous avez là un outil, en plus des attachés commerciaux, un outil très spécifique orienté digital. Oui, parce que c'est l'opportunité, effectivement, d'avoir accès à une veille, qu'elle soit technique ou commerciale en matière numérique, mais c'est avant tout l'opportunité de trouver des partenaires. Exactement. Que ce soit aussi en matière commerciale ou en matière technologique, pour pouvoir soit accélérer sa transformation digitale, soit créer un produit numérique innovant en partenariat et à le diffuser beaucoup plus facilement sur les marchés internationaux. Tout à fait. Et donc, typiquement, pour reprendre ton exemple, nous avons une société qui s'est installée à San Francisco, donc Silicon Valley, comme dans le domaine du numérique. Elle y a travaillé 3-4 ans et ensuite est revenue s'installer en Wallonie. Donc ça, c'est le flux vertueux qu'on aimerait bien, évidemment, voir arriver plus souvent. Et donc, toute l'aide qui a été faite localement a été faite par la WEX, y compris la mise à disposition de bureaux, car nous avons là, de façon exceptionnelle dans certains d'entre eux, nous avons des superficies qui sont déjà disponibles pour vous accueillir. Alors, je terminerai par les ressources. Mais les ressources, en fait, je vous invite tout simplement à aller sur le site de Digital Wallonia et sur le site de la WEX, pour avoir toutes les informations plus détaillées que j'ai présentées aujourd'hui.
Ne négligez pas également les clusters, comme par exemple l'Infopôle et Twist dans le cadre du numérique, mais également des associations qui sont en train de se créer, notamment Wildchain, qui couvre toute la partie blockchain si vous avez l'utilisation de technologies pointues. Tout ça peut vous aider dans cette aide de, locale pour votre transformation numérique. Dans le cadre de business que vous toucheriez, que ce soit dans le domaine de, l'agriculture ou du plastique ou de la chimie, etc., n'hésitez pas à vous retourner vers des pôles de compétitivité qui sont en fait le schéma que vous avez ici à l'extrême droite ou centralement à des clusters qui sont spécifiques à l'industrie. Ils ont une connaissance digitale également, ils ont une connaissance internationale. Je vous ai dit, les pôles de compétitivité, BioWin et autres, sont financés en partie par la OEX pour cette dimension internationale. Et donc là, vous avez à la fois la dimension business et la dimension technologique sur le sujet. Alors, tout ça pour conclure en disant, un, n'hésitez pas à nous contacter, notamment dans la direction des assistants financiers qui sont ceux que je vous ai exposés tout à l'heure. Deux, de contacter surtout votre centre régional qui vous aiguillera au bon endroit, et y compris vers nous, départements sectoriels qui sont à votre service. Vous avez une brochure disponible et si vous cliquez sur cette brochure lorsque vous recevrez les slides ou des icônes, vous aurez à chaque fois qu'il y a un « i » le lien directement vers la source de l'information. Et évidemment, n'hésitez surtout pas à aller consulter la banque des chèques d'entreprise, car je pense que c'est un outil assez merveilleux à utiliser, surtout si vous mettez le bon puzzle au bon endroit. Et ceci me permet de terminer la présentation en vous remerciant, et surtout Renaud, peut-être en ouvrant la salle aux questions. Absolument, nous sommes à l'écoute. Je vois qu'il y avait une question concernant le programme Explore. Alors, oui. Alors, donc, une question concernant le programme ESSOR qui serait valable pour les étudiants en Wallonie, mais quid des étudiants belges qui suivent d'un cursus à l'étranger. Ben, en fait, l'idée ici, c'est dès le moment où vous avez un étudiant qui est wallon, celui-ci peut bénéficier en fait de l'Explore. La question va être de savoir quid au niveau de, de son positionnement et de savoir si ce cursus est en ligne, évidemment, avec, avec la, comment dirais-je, la dimension de l'exportation. Mais je pense, à ma connaissance, mais ça je peux revenir vers la personne, si elle envoie un petit email, on pourra me le forwarder, je peux reconfirmer s'il y a un blocage à ce niveau-là, mais je pense, à ma connaissance, qu'il n'y en a pas. Voilà. Comme tu le disais d'ailleurs, moi je vous réengage vraiment à visiter en profondeur, si je peux dire, le site Chèque Entreprise. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que des chèques numériques, il n'y a pas que des chèques à l'export, il y en a plein d'autres aussi. Le descriptif des chèques, me semble-t-il, est assez clair. Vous aurez accès à une information qui est plus détaillée que celle que nous pouvions donner ici, évidemment, en même pas 1h30. Et n'hésitez pas, il y a un helpdesk vers lequel vous pouvez aller. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail, me passer un coup de fil si des choses ne sont pas claires. Donc, comme tu l'as très bien dit, Stéphane, je pense que tous les éléments, toutes les briques sont là. Oui. Et n'hésitez pas, si jamais la construction vous paraît un petit peu compliquée, il y a des gens qui sont là pour vous aider aussi. Donc, voilà. C'est vraiment le message. Tout à fait. Maintenant, je serais peut-être intéressé de poser une question à l'Assemblée. Par exemple, comment vous voyez aujourd'hui votre... Merci. Ah bah oui, je veux bien. Votre, je dirais, maturité quant à votre transformation digitale, que ce soit au niveau endogène ou international. Est-ce que vous avez des zones que vous avez oubliées ou que, pour vous, ça vous semble difficile de faire cette transformation? Et si oui, pourquoi? Est-ce que vous avez, je dirais, quelques affirmations à donner ou tout simplement des questions que vous vous posez aujourd'hui dans le cadre de votre transformation digitale? Et là, je vous propose de vous donner 2-3 minutes pour peut-être... mettre ces affirmations ou ces questions sur le chat. Sur le chat. Voilà, exactement. Je crois que ça, c'est vraiment important. Tout à fait. De voir un peu la différence entre est-ce que je suis perdu et est-ce que je suis un starter, ou est-ce que j'ai déjà commencé la digitalisation de mes processus, mais je n'ai
pas démarré ma conversion business, ou est-ce que je suis en train de faire ma conversion business comme par exemple de faire un superbe site web, et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que j'ai un bon web, j'ai des gens qui m'achètent mes produits à l'étranger, mais en fait, ma supply chain, donc ma chaîne en fait, de logistique, ne suit pas. Tout simplement parce que je n'ai jamais pensé à qu'est-ce que je fais au niveau de l'envoyer. J'étais peut-être parti avec l'idée d'envoyer ça de mon entrepôt, mais en fait, vous devez peut-être trouver des solutions pour l'envoyer d'un entrepôt absolument, à l'étranger, ou vous avez des retours et vous ne savez comment gérer ces retours. Ou peut-être que financièrement, vous n'avez jamais calculé dans votre plan d'affaires ce retour. C'est un cas tout à fait concret que j'ai vécu il y a pas tellement de temps. Une société que, bien sûr, je ne peux pas citer, mais qui est du côté de Serein. Donc voilà, c'est une entreprise wallonne qui est active en fait dans la vente de pièces pour électromécanique. Et ils ont un superbe catalogue en ligne, très, 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 très beau, très, très complet, avec plus de 45 000 références. Et évidemment, ils ont pas mal de commandes, parce que ils sont actifs sur le marché allemand, le marché anglais, etc. Et en fait, ils n'avaient jamais pensé à avoir une liaison temps réel avec les fournisseurs des pièces en question. Ce qui fait que le problème qui se posait à eux, c'est que parfois, ils promettaient des choses alors que ce n'était pas en stock, ou pire, la fiche technique n'était plus la bonne. Et le client commandait un truc qui ne lui convenait pas. Voilà. Et ils ont failli tomber en faillite à cause de ça. Voilà. Jusqu'à ce qu'effectivement, ils trouvent le bon prestataire qui a assuré la connexion avec les différents fournisseurs en temps réel. Et le site, évidemment, maintenant se met à jour en temps réel aussi. Et ils ont beaucoup moins de soucis qu'ils en avaient, évidemment. Et je pense que ça c'est important. Sur ce niveau-là, c'est vraiment important que toutes ces étapes, lorsque vous imaginez votre produit et que vous devez l'imaginer dans toute cette logique en fait de distribution, c'est vraiment de regarder toutes ces étapes, est-ce qu'elles tiennent la route. Et si elles ne tiennent pas la route, est-ce que le digital va en fait m'aider à justement réduire mes coûts et augmenter en fait ma marge tout en étant efficace. Tout à fait. Je crois qu'on est arrivé aux 5 minutes de clôture. Si nous n'avons plus de questions, eh bien donc, il nous reste à vous remercier de votre attention. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inscrits, donc ça fait toujours plaisir. J'espère que nous avons pu répondre à beaucoup de vos interrogations. Je remercie aussi beaucoup InBeWay de leur invitation. Je te remercie d'avoir accepté de faire ça en duo. Avec grand plaisir. C'est plus convivial et plus sympa que de le faire tout seul. Tout à fait. Voilà, le message reste le même. Les aides existent. Contactez-nous. Faites-vous suivre. Faites-vous aider. Nous sommes là pour ça. Merci beaucoup, bonne fin de matinée et à bientôt peut-être. À bientôt, merci.